So I might just start. A warm welcome also from my side to this first panel of this great medical international conference on deconstruction. My name is Andrea Steinke. I'm a researcher at the Center for Humanitarian Action here in Berlin, and I have spent some time in Haiti during the past decade studying humanitarian aid and peacekeeping, and I'm very, very excited to be part of this panel and moderating this panel today. So as 60 minutes is very little time to discuss 60 minutes, c'est très peu pour la discussion. C'est la raison pour laquelle je ne voudrais pas perdre plus de temps. Par cette introduction, ces stéréotypes existent. Lorsque le monde parle d'Haïti, il suffit de lire des articles dans des journaux allemands, par exemple. It's Haiti. Le sujet de la conférence, donc, c'est Haïti et la reconstruction. La reconstruction a souvent été nécessaire pendant l'histoire d'Haïti. Déjà lorsque les colonisateurs arrivaient pour apporter 3 siècles d'esclavage, la révolution d'Haïti. Après la révolution, la République a été fondée en 1804, qui promettait les droits de l'homme pour tout le monde. Après, il y a eu la reconstruction après la guerre de la Révolution. Une grande partie de l'île était détruite, politiquement parlant, Haïti, économiquement parlant aussi. Haïti était isolé. Aujourd'hui, après les élections, après avoir chassé le dictateur dans les années 90, il a fallu reconstruire à nouveau. Après le tremblement de terre en 2010, également avec la grande catastrophe. Je cite simplement ces quelques exemples pour vous illustrer qu'il y a eu plus d'une occasion, plus d'une situation dans laquelle Haïti a été obligé de se reconstruire, pas volontairement, mais pour des raisons structurelles. Depuis que nous avons parlé de cette conférence et que nous avons commencé à la préparer, la situation a évolué en Haïti aussi. Le président élu ne peut pas entrer en fonction. Ceci est considéré par les différents acteurs de manière différente. Les différents acteurs de la société civile demandent la démission du nouveau président, mais les États-Unis continuent à le soutenir. Donc, c'est un développement récent dont nous discutons à Haïti et nous voulons donner la possibilité à tous les intervenants de parler de leurs propres expériences et de leurs propres opinions. Je me sens particulièrement honorée et heureuse d'avoir parmi nous Nixon Bumba à Port-au-Prince, Mark Schull à Chicago et Katia Maura à Francfort. Nous allons commencer à donner la parole à Nixon Bumba, qui est activiste, militant des droits de l'homme et qui travaille à Port-au-Prince. Il s'engage notamment pour les droits des mineurs et de toutes les personnes qui habitent à Haïti. Je souhaite la bienvenue à toutes ces personnes, mais tout d'abord, la parole est à Nixon Bumba pour nous dire quelques mots sur la situation actuelle à Haïti. Merci, Andrea. Bonjour, bonjour tout le monde. Et comme l'a dit Andrea, je me sens honoré d'avoir
été invité à prendre la parole dans cette conférence assez importante pour parler de la situation actuelle d'Haïti et surtout de la nécessité de reconstruire le monde. Donc, mes premiers mots vont tout d'abord à dire que nous sommes en Haïti depuis un certain nombre de temps amenés à poser la question de la nécessité d'obligation de reconstruire le monde. Ici, on ne parle pas seulement de reconstruire le monde, on parle plutôt de changer de système. Puisque nous sommes dans une actualité qui montre les limites d'un système qui a été conçu contre la naissance et l'existence même de cette petite île du pays avec 12 millions d'habitants, où tout a été construit, par exemple, sur une logique coloniale, esclavagiste, raciste, patriarcale, hétéronormée, qui empêche aux Haïtiens de pouvoir habiter leur territoire en amour, en solidarité avec la justice, pour ce que l'on appelle ordinairement les droits humains, les droits des humains caractérisent les rapports entre les humains de cette île. Donc, cette situation actuelle, c'est une situation qu'on vit depuis tantôt 3 ans, avec les scandales autour de la corruption, car nous savons que la corruption fait partie du processus historique d'accumulation primitive dans le pays, mais nous avons pu renverser la vapeur du discours sur la corruption et de la pratique de la corruption avec le scandale de Petro-Caribé qui a sauté aux yeux de tout le monde en 2018, où il y a eu une démonstration de force du peuple haïtien qui veut arrêter ce processus. Ce processus qui continue à alimenter l'injustice sociale, ce processus qui veut cacher derrière un discours sur la démocratie libérale, sur des droits humains, mais qui continue, respecte la logique coloniale et qui empêche aux Haïtiens de vivre leur vie dans une perspective, on pourrait dire, anticoloniale, décoloniale, dans le sens que l'autodétermination, l'idéal de liberté, l'idéal du bien-être continue à hanter les esprits des Haïtiens. Donc, on a pu voir de 2018 jusqu'à aujourd'hui un mouvement social extraordinairement fort, capable de remettre en question les structures d'un État vétus qui a été construit contre, qui a été mis en place contre la construction de cette humanité haïtienne, c'est-à-dire cette nation avec leurs caractéristiques en particulière, avec sa langue créole, avec ses pratiques culturelles, mais aussi avec son modèle économique qui refuse le modèle de plantation, qui refuse de produire pour ce dont ils n'ont pas besoin et pour acheter ce dont ils ont besoin. Donc, ce mouvement a questionné les relations avec l'international, ça questionne les relations avec les élites et ça remet en question les rapports de pouvoir et les rapports de classe dans le pays à travers ce grand mouvement qui a connu des moments assez importants, comme des mobilisations de plus de 80 villes du pays, avec de nombreux de personnes parfois dépassant des millions de personnes, avec de plus en plus de pouvoir populaire. Quand je dis pouvoir populaire, c'est-à-dire le peuple dans son ensemble, capable de bloquer, par exemple, le mouvement d'un président à l'intérieur du pays. Donc, il y a eu beaucoup de demandes. Les demandes, c'est des demandes d'abord axées sur la justice sociale, c'est-à-dire une justice sociale historique, qui consiste à demander à réparer les torts qui ont été causés, par exemple, aux classes populaires, les paysans, les gens vivant dans les bidonvilles, des femmes, des gens qui essaient de se débattre dans l'économie populaire. Donc, la question de la justice sociale, comment repartir, comment rebattre la carte. Ça a été une question qui a été agitée depuis après le tremblement de terre, mais qui est revenue avec beaucoup plus de récurrence pendant les 3 dernières années. Mais aussi, c'est des demandes pour de la transparence, pour la fin de la corruption, pour des procès contre ceux qui ont dilapidé ou ont mal géré les fonds Petro-Caribé mis à la disposition de l'État. Et on va en parler peut-être un peu plus loin. Et différemment de la logique de l'aide publique au développement qui est très liée, qui impose une logique de dépendance, de clientélisme
et même de corruption. Donc, c'est de comment on pourrait utiliser cet argent pour créer des infrastructures collectives comme la santé, l'éducation, l'agriculture, tout ça. Donc, il y a eu cette demande contre la corruption, contre l'impunité, l'impunité que jouissent les dirigeants de l'État et les élites haïtiennes. La réponse de 2018 à 2020, on a connu dans le pays 9 massacres avec plus de 300 personnes ont été tuées dans des massacres dans les bidonvilles à Port-au-Prince. La réponse, c'est une répression massive et innommable. Et cette répression, ne seulement conduit à des massacres, mais c'est une gangstérisation, notamment des zones urbaines et de plus en plus qui s'étend vers des zones rurales du pays, qui bloque le mouvement et qui affecte la vie des gens. Donc, la troisième demande, c'est que ce régime en place, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment ce que les prescrits de la démocratie libérale, disant qu'il faut partager les pouvoirs, il y a un contre-pouvoir, il y a des pouvoirs de contrôle. Avec ce régime, tout a été vassalisé et il n'y a pas de moyen de trouver réponse aux demandes populaires, aux demandes des citoyens en Haïti. Donc, du coup, on a assisté à un changement de discours qui part de demandes anticorruption, de la transparence ou des procès contre les pétrovoleurs, comme on les appelle ici, à une demande pour changer le système. Qu'est-ce que ça veut dire changer le système ici, en Haïti? Donc, il n'y a pas beaucoup de travaux à dresser un panorama sur ce que cela voudrait dire changer le système. Mais on le sait, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rompre avec ces processus historiques qui continuent à nous tenir sur le joug colonial dominé par aujourd'hui, depuis les 10 dernières années, par les core groupes représentés par les principaux ambassadeurs ou ambassades des pays occidentaux et certains pays d'Amérique latine. Donc, changer le système, c'est-à-dire comment construire des liens sociaux autour des biens collectifs garantissant des droits fondamentaux, car aujourd'hui, en Haïti, tout doit être construit quand on passe des quartiers populaires ou des gens de ce qu'on appelle des classes moyennes ici. Et on pourrait même dire pour certains secteurs privés, il n'y a aucun lien établi entre ces différentes classes autour, par exemple, des parcs de jeux ou autour des écoles où l'on se croise, où l'on peut se socialiser. Ce qu'on voit, il y a comme un cloisonnement, comme un apathé dans le pays. On est comme un groupe humain qui se croise, mais qui ne cohabite pas. Donc, c'est-à-dire comment reconstruire, comment changer tout ça et comment renouer avec cet idéal d'autodétermination, c'est-à-dire on veut produire, on veut satisfaire nos besoins, mais sans être au travail pour ceux et celles dont on n'a aucune relation avec. Donc, la réponse, il y a la répression, mais aussi, il y a une réponse brutale de ce qu'on pourrait appeler la communauté internationale. Je dis ce qu'on pourrait appeler de la communauté internationale, dans le sens, il n'y a pas une communauté internationale où l'on est interrelié, où l'on se parle, où l'on interagit. Il y a une communauté des puissances et qui définit un ordre du monde et qui donne de la place à des pays comme Haïti. Voilà ce que tu dois faire. Il faut fournir des main-d'œuvre à bon marché. Il faut utiliser le territoire pour voir, par exemple, fournir de la banane biologique aux Allemands, dans le plaisir à tous mes amis, camarades allemands qui écoutent cette conférence, alors qu'il faut importer de la banane chimique de la République dominicaine, faite dans les conditions qu'on connaît. Donc, c'est-à-dire, la logique coloniale, la logique patriarcale ou la logique hétéronormée, et aussi le racisme avec lequel on traite les Haïtiens, ça peut être lu au quotidien dans les rapports avec ce que nous appelons la communauté internationale et qui entretient Haïti, qui maintient Haïti dans le spectre de l'humanitaire, l'humanitaire comme un spectacle, l'humanitaire comme une logique de domination, l'humanitaire comme un processus non productif capable de nous aider, de nous libérer, d'émanciper et de vivre comme nous souhaitons le faire. Donc j'espère que ces premiers mots pour introduire la situation actuelle aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une situation que les théoriciens libéraux disent qu'il y a une rupture de l'ordre démocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président élu, il y a un président qui garde le pouvoir au-delà de son mandat. Il y a une demande légitime
que ce président parle pour l'installation d'une transition, mais il y a aussi cette vision réductrice de la communauté internationale, principalement les pays du core group, qui veulent réduire ce problème, le conflit actuel comme un conflit entre deux camps politiques. C'est plus que ça, c'est des camps politiques contre toute la construction d'ensemble, contre le vivre ensemble, contre la société, contre les classes populaires, contre les travailleurs. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Depuis 4 mois, on est en Haïti avec un phénomène de kidnapping au quotidien. C'est-à-dire, moi-même, je marche tous les jours avec l'idée que je peux être kidnappé dans les rues à n'importe quel moment, parce que le kidnapping, il habite le quotidien des Haïtiens, il hante les actions des Haïtiens. Et on sait qui kidnappe, où l'on séquestre les personnes. On a séquestré des policiers, on a séquestré... Il y a eu des fundraising, des levées de fonds pour pouvoir payer les rançons pour libérer la police. Il y a la gangstérisation de l'espace, comme je l'ai souligné déjà. Et la gangstérisation a pris un tournant pendant l'épidémie de COVID avec la mise en place de la fédération de gangs qui s'appelle le Genef, en famille et alliés, qui terrorise et qui manifeste. Malgré il y a eu des avis de recherche contre eux, ils manifestent en toute impunité avec la sécurité de la police. Et c'est eux aussi qui sont accusés dans des massacres un peu partout. Donc, c'est le contexte aujourd'hui. C'est le contexte avec un retour à ce que moi-même, je n'ai jamais rêvé pouvoir vivre de mon vivant. Un retour à ce que nous avons connu au début des années 60, avec l'arrivée de François Duvalier au pouvoir, pendant ces 29 années de dictature. Donc, on est en train de revivre cette même expérience, avec des perquisitions illégales, des arrestations illégales, avec, par exemple, la vassalisation du système judiciaire. La police est devenue comme une paramilitaire, un para-armée, entre les mains d'un gouvernement illégitime qui ne peut répondre aux demandes de la population qui est par la répression, qui est par les armes, et qu'aujourd'hui, nous vivons ce moment assez difficile, assez compliqué pour des gens même qui vendent des légumes dans les rues. Ils ne peuvent pas s'approvisionner parce que les rues sont bloquées, les grands artères sont bloquées par les gangs armés qui occupent et qui terrorisent. Nous sommes dans un état d'exception, un état de terreur. Cet état de terreur interpelle à chacun qui écoute cette présentation, hein, votre solidarité, afin d'utiliser vraiment ce que nous allons partager, Marc, Kaja et toi-même aussi, Andrea, afin de vraiment mettre la situation haïtienne sous le radar, non seulement sous le radar, mais comme une demande, comme on a fait contre l'esclavage, contre le colonialisme. Donc, il faut changer le système, ce système qui nous affecte tous. En Allemagne, en France, aux États-Unis, on est tous affectés. Les dernières crises aux États-Unis nous rappellent qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'exceptions. Thank you, Bumba, for this very, very... Merci beaucoup pour ce premier aperçu de la situation en Haïti. Et je dois dire, vu les structures que vous avez décrites, je dois vous dire, continuer à critiquer les acteurs internationaux, également les Allemands. N'ayez pas peur. Je voudrais vous poser encore une question. À côté des différents mouvements et des activités dont vous avez parlé, vous travaillez aussi pour des ONG internationales. Est-ce que vous voyez des possibilités pour regrouper les forces et pour améliorer la situation en commun avec d'autres? Je pense qu'aujourd'hui, être présent à cette conférence, ça traduit déjà... qui a une possibilité de collaborer, et il n'y a pas que nous à penser que la situation mérite de changer. Tout le cadre, le fond de cette conférence, ça rappelle encore une fois, ça rejoint ce besoin qu'il faut changer le système, qu'il faut changer de paradigme et qu'il faut vraiment qu'il faut se joindre dans cet isolement qu'on nous place, et avec des silos, qu'on est blanc, qu'on est allemand, qu'on a tout, qu'on est haïtien. Mais comment est-ce que la question de la justice, la question de la solidarité et la question de construire un monde où l'on peut s'interagir sans ces barrières-là est une nécessité de notre temps? Oui, je travaille pour une organisation comme consultant qui s'appelle American Judicial Service,
Et quand j'ai commencé ce travail, ça a été comme une grande contradiction de toute ma vie, puisque Marc Cholet peut peut-être en témoigner. Nous sommes venus de cette génération critiquant l'ONGisation du pays, laquelle l'ONGisation contribue fondamentalement à dépolitiser les rapports sociaux et à déplacer les centres de problèmes entre les mains des Haïtiens comme des acteurs dans la résolution de leurs problèmes pour les placer entre les mains des acteurs qu'on ne connaît même pas. Ce sont des ONG qui deviennent des États. Donc, il y a même un pamphlet, une brochure qui a été écrite, probablement. Andrea, tu as pu voir ce profil. L'ONG, c'est quel gouvernement êtes-vous? Parce que vous dites que vous êtes non gouvernemental, mais on sait de plus en plus, l'aide publique au développement a été utilisée pour créer des gouvernements paranationaux ou des gouvernements qui dominent et qui créent une chaîne de sous-traitance dans laquelle on donne certaines tâches, certaines fonctions à des Haïtiens, à des Maliens ou à des Guatémaltèques, à des Nicaraguayens. Donc, dans cette chaîne-là, qu'est-ce que ça fait? Ça a contribué à dépolitiser les rapports, comme je viens de le dire, et à placer les néolibérales en situation de force comme réponse aux problèmes sociaux collectifs que vivent ces pays. Moi, quand j'ai commencé ce travail, je pensais que j'allais rester pour 3 mois parce que j'étais à 1000% dans la militance dans les rues à Port-au-Prince. Je voulais avoir un peu de sous et j'ai accepté de faire le travail. Et quand j'ai commencé, j'ai trouvé qu'il y a de la possibilité quand même de faire les choses autrement et de contribuer à supporter des mouvements sociaux. Et j'étais clair avec les gens, si je dois continuer à travailler, il faut que ce travail me donne la possibilité de continuer à m'engager, à supporter ce que je pense être bon pour mon pays, pour les changements de nos vies. Donc, je continue à le faire et j'ai beaucoup appris. Et c'est une expérience assez enrichissante. Ça, c'est un défi aussi, car la logique de fonctionnement des ONG globalement, ça, c'est limite. Donc, il faut vraiment qu'on travaille à pousser le plus loin possible les limites de ce travail afin qu'on cesse d'être des professionnels des ONG pour qu'on soit des militants qui trouvent ce privilège d'avoir accès, par exemple, à des fonds pour appuyer des projets. Comment est-ce qu'on peut appuyer des initiatives porteuses, des germes émancipatrices? Comment on appuie des communautés susceptibles de devenir des acteurs ou des actrices dans le devenir? Ça, c'est tout un défi qu'on a devant nous. Ce travail, je le fais et je le fais encore, et tout ce que je dois partager avec vous, ça vient aussi de ce travail parce que ça a pu me permettre d'être en contact avec un monde réel, un monde qui souffre, un monde animé par le désir de changement, un monde qui, en même temps, qui fait face à beaucoup de défis. Et les défis, c'est comment sortir de la dépendance, comment sortir du clientélisme, comment devenir un acteur incontournable dans l'architecture ou dans la conception même de notre devenir. Yes, and it's exactly also with this kind of work that... Oui, merci. C'est un très bel exemple, pas seulement pour Haïti, mais aussi pour d'autres peuple que vous nous avez donné. Merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Marc Choula, qui est anthropologue avec de longues expériences dans le travail dans les ONG. Il travaille à l'Université de Chicago. Et il a fait pas mal d'études sur les NGO et les organisations bénévoles. Il a fait beaucoup de recherches sur l'aide humanitaire après la catastrophe, après le tremblement de terre en Haïti. Il a publié un livre sur la catastrophe mondiale. Livre porte le titre « Humanity's Last Stand, Confronting Global Catastrophe ». Marc Choula, que pouvez-vous dire en réponse à M. Bumba?
Bon, merci beaucoup pour m'avoir donné la possibilité de parler avec Nixon Bumba. Nous avons coopéré déjà dans le passé dans le cadre de d'autres initiatives. Ces analyses de personnes directement concernées sont très importantes pour nous, et également les analyses de personnes qui sont exclues d'un échange international, tels que les jeunes gens qui vivent dans ces bidonvilles ou dans les banlieues. Récemment, j'ai publié un article sur les origines étrangères de la crise actuelle. Je ne suis pas haïtien et on ne m'a pas demandé de parler de la situation en Haïti ou de prendre position ou de défendre une certaine position. Je analyse plutôt mon propre gouvernement et le rôle du gouvernement des États-Unis, de voir comment agit le gouvernement des États-Unis, un régime néolibéral qui est le centre du monde, pour ainsi dire. Et je considère que c'est mon rôle d'observer, d'examiner le rôle qu'exercent les États-Unis sur le monde entier et quelles sont les répercussions sur le pays d'Haïti. Les conditions de vie en Haïti ont leur origine dans la période colonialiste, dans le système d'esclavage. Donc ce n'est pas seulement un problème du néolibéralisme, c'est quelque chose qui a des racines bien plus profondes. Mais il s'agit aussi du changement climatique, il s'agit de la survie de notre espèce. Et je dois dire que Haïti est un pays sur lequel je fais des recherches depuis plus de 20 ans. Et d'autres personnes, comme Nixon Bumba et ses collègues, m'incitent à pousser plus loin mes recherches. En ce qui concerne le travail que je fais en Haïti, je pense que c'est mon rôle d'observer comment les personnes qui y vivent voient leur propre vie. Quelles sont les expériences que ces personnes font avec leur propre structure, comment ils ressentent les systèmes de punissement. Les personnes ont peut-être un choix, mais elles n'ont pas les mêmes possibilités, les mêmes chances. Et cela mène à des situations peu démocratiques qui ni les droits de l'homme. Et c'est notre rôle de changer les conditions de sorte à ce que les personnes aient vraiment le choix du pays dans lequel ils veulent vivre, le choix du système qu'ils veulent. En 2009, on a déjà suspendu le remboursement de la dette de Haïti, parce que si l'on doit tout le temps rembourser les dettes, on n'a plus l'argent pour mettre en place un système de santé, par exemple. Et nous devons toujours nous poser la question, que faisons-nous, les autres pays? L'Allemagne est un pays très important, la Banque mondiale, le Fonds international, monétaire international. L'Allemagne est privilégiée, tout comme les États-Unis, dans cette structure économique. Et c'est cette structure économique qui fait progresser les systèmes d'injustice et d'inégalité. Et nous devons également analyser les structures économiques, pas seulement les structures politiques. Les entreprises de semences, par exemple, ont également leur part de la responsabilité pour que la vie devienne impossible pour les gens en Haïti.
dans mon pays d'origine, les zones rurales de Minnesota, les familles sont maintenant obligées de quitter leur région parce qu'ils ne peuvent plus se permettre la vie là-bas. Et c'est dont il faut parler, le gouvernement Clinton, Hillary et Bill Clinton, qui étaient déjà nommés le roi et la reine de Haïti, tout ce qui s'est fait après le séisme, tout cela doit être discuté. Nos étudiants n'ont pas beaucoup d'argent, ils achètent des vêtements produits en Haïti. Donc nous avons également une part de responsabilité. Voilà la partie politique. Les ONG ont fait progresser un assiègement humanitaire. Il s'agit bien sûr de reconstruction du pays, mais il s'agit également d'assumer une certaine responsabilité. Au-delà de la responsabilité politique, et toutes ces organisations d'aide et d'assistance ont fait accroître la dépendance du pays, de Haïti, de l'aide venue de l'extérieur, des importations de l'étranger, etc. Et on peut dire de ce point de vue que la deuxième catastrophe, c'est ce système d'aide et d'assistance. J'ai été en Haïti quelques jours après la grande catastrophe. Les personnes étaient traumatisées, mais ils ont fait abstraction de leurs différences culturelles et religieuses et se sont unis dans leur effort pour la survie. Un exemple, lorsque j'ai la possibilité d'acheter de l'eau, d'acheter un véhicule, et avant qu'on me permette de payer pour, 80 personnes voulaient discuter si était nécessaire d'accepter cette assistance, cette aide. Donc, ils ont dû scotter pendant des heures avant de pouvoir dire, bon, cela fonctionne. C'est un système vraiment solidaire. Il est possible de répartir l'eau que la personne étrangère allait acheter. Et c'est cela, les personnes qui vivent en Haïti ont des capacités propres. Il ne faut pas créer trop de dépendance. On a retiré le capital du pays, les personnes étaient obligées de travailler pour l'étranger et il y a eu ce scandale Oxfam qui n'a été publié que de longues années après que cela s'était passé, et bien d'autres scandales qui illustrent que le système d'aide et d'assistance a également des facettes tout à fait négatives. Par exemple, lorsqu'il s'agit de répartir du riz ou des haricots, un certain montant, une famille. Alors, une deuxième famille en reçoit un peu moins, puisque c'est une famille qui est moins importante, moins nombreuse. Excusez-nous, mais il est extrêmement difficile de comprendre le monsieur qui parle. Le son est très mauvais. Il y avait des personnes qui ne parlaient que quelques mots d'une langue étrangère qui ont joué un rôle. Et c'était choquant de voir ce qui s'est passé avec les fonds qui étaient distribués, qui étaient collectés. Beaucoup de femmes nous ont dit qu'elles étaient victimes de violences sexuelles dans les camps. Et tout cela
ne peut arriver que lorsque des personnes, des hommes, décident individuellement de qui a droit à recevoir de l'assistance et qui ne l'a pas. C'est choquant de voir que l'aide, l'assistance peut contribuer à détruire les familles et à faire augmenter la violence contre les femmes. Merci beaucoup, Marc. Merci, Marc, pour ces impressions partagées de ton travail. Pour Katia, il n'est pas facile maintenant de prendre la parole pour une ONG. Elle est journaliste, Katia Maura, et rédactrice de la newsletter de Medico. Elle a une formation d'interprète et de traductrice. Elle était avant responsable de la direction des relations publiques de Medico. Et elle a beaucoup publié sur l'Amérique latine, sur le conflit entre Israël et la Palestine, et sur les mémoires multiperspectives. Elle a également publié sur l'histoire d'Haïti. Et avec Andrea Pollmeyer, elle a publié le livre sur la longue renaissance haïtienne. Katia, tu as la parole peut-être pour d'abord nous donner une petite présentation brève de ce que fait Medico en Haïti. Oui, je saisis l'occasion néanmoins pour dire que en tant que organisation d'aide. Après ce que Marc a dit, on ne peut pas arriver ici pour présenter des projets. Ce serait comme si on avait une formule dans la poche pour dire, voilà, il faut faire comme ça, ce sera mieux. Mais c'est exactement ça le problème, depuis longtemps. On a fait l'expérience en Haïti, et pour moi, qui accompagnais pendant une dizaine d'années, c'était vraiment un grand choc. Et quelle était l'idée de vouloir sauver un pays à partir de l'extérieur, ce que ça peut avoir comme conséquence. C'est difficile, bien sûr, en tant que représentant d'une ONG, de dire aux donateurs, c'est difficile à réaliser ce que vous attendez ou ce que vous voulez faire. Parce qu'ils viennent avec une présentation, avec une idée de projet qu'ils souhaitent mettre en place et ils sont convaincus que ce sera utile. Mais c'est exactement ce qui est à l'origine de la catastrophe en Haïti, dont Marc Choulard a parlé tout à l'heure. Une culture de projet en Haïti, ce sont des projets voulus par les donateurs et les donatrices. Des projets non seulement après le tremblement de terre, mais depuis les années 90 déjà. Haïti est la république des ONG étrangères qui ont privé ce pays de ses propres ressources ou de ses propres forces. Je vous donne un exemple. Si vous, en tant que spectateur, spectatrice, vous vous demandez ce que vous pourriez faire en Haïti, je peux vous dire, les pauvres enfants d'Haïti, il faut s'en occuper. Qu'est-ce qui va se passer après? Donc, si Trump avait été réélu, on aurait une vice-présidente aujourd'hui qui a même adopté un enfant d'Haïti pour prouver son intégrité morale. Voilà, ça, c'est la perspective blanche et coloniale sur Haïti. Et les projets les plus populaires, ce sont des projets avec des enfants. Il n'y a pas autant d'enfants dans le besoin à Haïti que de projets, presque. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé après le tremblement de terre, c'est encore pire. 40 000 ONG présentes en Haïti, sans aucun contrôle. J'ai écrit un livre que Andrea Steinke a déjà évoqué. J'ai essayé de décrire un peu tout ça, de passer en revue tout cela, en espérant que auprès des ONG, donc de mes collègues, qu'il y aurait une réaction comme quoi c'était finalement pas si mauvais que ça. Non, mais 40 000 ONG dans un pays avec 10 millions d'habitants, elles sont allées partout. Et elles avaient l'impression qu'il n'y avait pas d'autre activité à part ce qu'elles faisaient. Elles ont fait exactement ce que Marc décrivait. Elles ne recouraient pas aux ressources disponibles et à ce qui se faisait déjà. Ils ont imposé à Haïti cette volonté des donateurs, donatrices blancs.
Et ainsi, ils se sont vraiment installés dans les intestins, si vous me permettez de le dire, de cette société. Donc, on peut très bien parler d'une occupation humanitaire. Alors, que faire? Une ONG qui essaie de faire du travail politique aussi doit sensibiliser, informer. On a créé un groupe en Europe qui s'appelle Stop the Silence in Haiti. Fini le silence sur Haïti. Nous devons essayer d'utiliser notre faible influence en la matière pour essayer de faire bouger les choses. Parce que tant l'Union européenne que l'Allemagne font partie de ce groupe corps, ce groupe qui prend toutes les décisions en Haïti, surtout toutes les décisions sur l'utilisation de l'argent, et qui continue de soutenir un président complètement illégitime, qui est impliqué dans des scandales de corruption et qui a fait arriver les gangs au pouvoir. Donc, attirer l'attention là-dessus, c'est plus utile, plus nécessaire que de financer de petits projets d'aide qui sont bien sûr populaires parmi les donateurs et donatrices. Il faut bien sûr travailler avec des partenaires, avec Nixon Bumba, avec le réseau des droits de l'homme de Haïti, que Medico a soutenu pendant des années. Une organisation qui a essayé de contrôler justement cette aide internationale après le tremblement de terre et qui a publié différentes études, différentes déclarations ou communiqués de presse pour constater que 80% des aides venues des États-Unis étaient retournées finalement aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas les chiffres pour l'Allemagne. Pour les États-Unis, on le sait. Mais maintenant, il y a les révoltes en Haïti. Et on me demande, en tant qu'experte, entre guillemets, d'Haïti, ce que j'en pense. Et on me dit, mais l'Haïti est tellement corrompu. Mais je partage entièrement ce que disait Marc. Mais notre tâche, c'est de regarder ce que font nos propres gouvernements. Et c'est clair. Haïti est abandonné, on tait ce que l'on fait là-bas. Il faudrait complètement changer de direction dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Katia, pour cette perspective un peu critique sur le travail des ONG et de ta propre organisation. Si j'ai bien compris, tu proposerais le travail de plaidoyer et j'aimerais bien discuter avec vous trois maintenant, après avoir entendu Bumba, Marc et Katia, qui ont tous évoqué ce qui ne marche pas, ce qui n'a pas marché dans le passé, depuis 10 ans, 20 ans ou 100 ans, 200 ans. Quelle serait l'alternative ? Il y a des ONG qui disent que ce qu'elles font, c'est le travail de solidarité. Elles veulent aider les gens à survivre, leur permettre de survivre. Mais qu'est-ce qui doit changer dans l'approche ou dans la mise en œuvre de cette solidarité? Et j'aimerais bien donner la parole à Nixon pour répondre. Merci encore, Andrea. Et je suis content de la présentation de Marc et de Katia sur la question haïtienne. Je pense qu'aujourd'hui, la tâche et à nous tous, c'est de se mettre à la recherche d'alternatives au monde. C'est-à-dire, quand on parle de la reconstruction du monde, c'est-à-dire, c'est comment on repense les rapports dans le monde et ses rapports avec Haïti. Donc, Haïti est dans le monde et c'est juste regarder comment le capitalisme mondialisé utilise les territoires comme Haïti pour se reproduire, se maintenir et dominer l'humanité. Donc, pour la recherche d'alternatives, c'est à nous tous. Il faut d'abord commencer par comprendre les caractéristiques de notre monde à changer et les transformations qui sont en train de se réaliser pendant notamment les 10 dernières années. Et pour commencer à revoir quels sont les rapports avec Haïti, quels sont les rapports avec l'Allemagne, quels sont les rapports avec l'Europe. Est-ce que ces rapports doivent continuer à être des rapports coloniaux
coloniaux au niveau macro dans les rapports avec le gouvernement, coloniaux dans les petits projets qu'on finance pour maintenir la survie pour certaines, certaines familles appauvries, déshéritées. Je pense qu'il faut prendre la distance par rapport à tout ça. Comment est-ce que la solidarité soit vraiment une solidarité? Et à chacun de nos des pierres posées, nous sommes en train d'apporter une contribution dans notre propre lutte, dans notre lutte, dans la lutte pour nous libérer nous-mêmes, pour nous émanciper. Non pas comme des héros qui viennent sauver des pays comme Haïti. Tout ça, si on regarde la logique globalement, par exemple, Marc Cholet qui dit qu'il n'est pas haïtien, il est haïtien dans la mesure où sa contribution, c'est une contribution à la cause de la justice, de la liberté, de l'émancipation de l'être humain. Haïti a beaucoup contribué à construire une nouvelle humanité au lieu de... Parce que là, quand on parlait des droits humains, jusqu'à un moment donné, nous autres personnes noires, d'origine africaine, qui ont été kidnappées de l'Afrique pour être imposées dans les Amériques ou un peu partout. Donc, quand on parlait de ça, il y avait pas eu, on n'était pas considérés comme des humains. On dirait qu'Haïti est considéré à traiter comme un endroit où c'est des bêtes à travail au lieu des êtres humains à part entière, tu vois, et un droit à tout ce que les autres êtres humains ils en ont. Donc c'est la première chose qu'il faut commencer, rompre avec la logique et rompre aussi avec la façon de faire. Et comment est-ce que la pression, par exemple, sur les gouvernements en Europe, comment est-ce que l'Allemagne, comment est-ce que la France puisse continuer à suivre les États-Unis, qui est des territoires des Amériques, comme son arrière-cour, et domine des peuples entiers via des gouvernements corrompus qui continuent à entretenir des sociétés de plusieurs vitesses. C'est-à-dire qu'on a, on a une colonisation à l'interne. Cette colonisation à l'interne est entretenue par les États, particulièrement un État comme l'État haïtien, qui a été totalement contesté pendant toute l'histoire du pays. Et c'est cet État qui fait l'interface entre les peuples, entre nous autres, de l'Allemagne, d'Haïti, des paysans de l'Allemagne, des paysans d'Haïti ou des paysans des États-Unis. Il n'y a pas vraiment de lien direct pour pouvoir discuter de nos défis, de nos, et des solutions aux problèmes qui se posent à nous et à notre quotidien. Donc, il faut chercher les alternatives. Les alternatives, d'abord, c'est des alternatives au capitalisme qui pense que le monde, il n'y a pas d'autre logique. Le capitalisme, il est indépassable. C'est des alternatives au colonialisme. C'est des alternatives au productivisme qui nous fait penser comme êtres humains, nous dominons la nature et aujourd'hui pour nous autres, qui a créé le problème le plus crucial qu'on vit en Haïti, le problème du changement climatique. On n'a pas beaucoup contribué à déranger le climat, mais nous sommes en train de payer à plus fort les impacts du changement climatique. Juste pour regarder, en 2015-2016, le nombre de personnes qui ont dû fuir Haïti pour aller chercher en musette en Amérique latine et dans les conditions. Il y a tellement de reportages montrant la cruauté, l'atrocité auquel ces gens-là ils ont fait face. Donc, il y a le changement climatique qui pose des problèmes réels, comment est-ce qu'on vit, particulièrement en Haïti, mais ça se pose au niveau mondial. Et c'est aussi la liberté, c'est les droits des êtres humains, c'est la diversité, comment protéger la diversité, comment la tolérance, comment l'égalité dans le traitement, l'équité dans le traitement peuvent des valeurs qui guident les actions qu'on fait pour parvenir à des alternatives durables, des alternatives qui placent l'être humain au centre, non pas le capital, non pas le profit, non pas le pouvoir, non pas, non pas la gloire. Comment est-ce que l'amour, la justice et la solidarité puissent guider nos actions? Ça, pour moi, c'est des pistes pour à la recherche des alternatives. Mais personne n'est détenteur de la connaissance des alternatives parce que les défis sont complexes, multiples et sont profonds. Merci beaucoup pour... cette réponse, Pumba, j'aimerais bien donner la parole à Katia. Petite surprise pour elle. Sans vouloir me répéter,
On a beaucoup parlé, on a évoqué beaucoup de choses au sujet d'Haïti. On sait que le narratif sur Haïti souvent est erroné et diffusé dans le monde entier. Mais pour revenir à votre position et votre activité en tant que représentante d'une ONG internationale en contact avec tous les acteurs que Bumba a évoqués, le gouvernement allemand par exemple, avec ses interventions, son engagement en Haïti. Est-ce que nous pourrions, ou de quelle manière, est-ce que nous pouvons vivre dans la pratique cette idée de solidarité que Bumba a évoquée, à votre avis? Comment est-ce que vous pouvez le faire en tant que salarié ou représentante d'une ONG? Nous travaillons dessus, justement, pour redéfinir l'aide dans une perspective de solidarité et non pas comme une institution féodale qui essaye d'atténuer un peu les dégâts du marché mondial. Nous ne voulons ni une aide qui se dépolitise, nous voulons une aide politisée qui comprend que c'est la solidarité qui est importante, mais nous essayons bien sûr aussi de sensibiliser nos donateurs et donatrices et de les informer sur les structures. En matière d'Haïti, Haïti a été le pays qui, avec sa résolution, a universalisé les droits de l'homme. Cette expérience-là, il faut la retrouver. Plus tard, demain ou après-demain, on aura le plaisir d'écouter Achille Mbembe, il parlera de la réparation. Pour Haïti, c'est évident, il faut réparer aussi. Jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Haïti a été obligé de rembourser des dettes pour l'esclavage. Pendant plus d'une centaine d'années, Haïti était l'esclavage et ces dettes-là accumulées devraient être remboursées aujourd'hui à Haïti. Ce serait un symbole, ce serait un signal à Haïti. L'aide doit se comprendre, se définir autrement, non seulement vis-à-vis de ceux qui donnent l'argent, mais aussi vis-à-vis de ceux qui sont les bénéficiaires de cette aide. Nous devons assumer nos responsabilités. L'ONU n'a pas été tenue responsable de l'apport du choléra en Haïti. Les grands groupes américains n'ont pas été tenus responsables du fait qu'ils ont mis en place des projets très, très douteux en Haïti pour s'enrichir eux-mêmes. La liste est infinie. Et il y a beaucoup d'ONG aussi qui ont agi plutôt pour elles-mêmes que pour la communauté internationale ou pour la communauté haïtienne. Donc, rendre des comptes au niveau international. Et un projet à vocation d'avenir, à mon avis, ce serait de jeter les bases d'une souveraineté alimentaire d'Haïti. Pour y arriver, d'ailleurs, Haïti fait partie des 5 pays les plus touchés par la catastrophe climatique. Donc, souveraineté alimentaire, au lieu d'inonder le pays par des denrées alimentaires de l'étranger. Ce serait, à mon avis, une issue ou une piste pour permettre à de nombreuses personnes à se jeter les bases d'une existence autodéterminée. Pour cela, bien sûr, l'aide peut être utile si elle comprend bien cette mission politique de solidarité. Marc, est-ce que vous souhaitez aussi, pour conclure un peu, on a commencé un petit peu plus tard, mais le temps est bientôt fini aussi. Vous voulez faire un autre petit commentaire, Marc? Un autre petit commentaire de votre part, Marc, pour conclure cette séance? En Haïti, il y a d'innombrables projets qui n'ont pas contribué à la transformation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans une perspective de solidarité? Si nous tenons compte des contraintes et des structures qui rendent l'aide humanitaire moins efficace, on sait ce qui rend leur aide moins utile. Vous
réduit l'impact. Un projet, quand on essaie d'imposer quelque chose pour changer la société, la réponse humanitaire, elle doit être centrée, adaptée aux besoins des personnes concrètes qui vivent sur le terrain et les adapter à leurs priorités et ne pas toujours invoquer les contraintes factuelles. Alors, comment traduire cette solidarité politique en action concrète? Ça exige l'autocritique et ça exige que l'on se rappelle aussi que ce qui compte, c'est le résultat de l'action et pas l'action en tant que telle. J'ai vécu différentes situations cette semaine. Enfin, on a discuté aussi de la question de savoir ce qu'on peut faire. Il faut qu'on fasse nos propres devoirs d'abord, chez nous. Enfin, ça commence par l'apprentissage de la langue du pays avec lequel on veut travailler, pour comprendre ce qui se passe sur place. C'est le strict minimum, il ne suffit pas de signer un chèque. Il faut également vraiment s'intéresser pour quelqu'un ou quelque chose. Et il faut rendre des comptes aussi devant la population locale. On ne peut pas simplement faire quelque chose, cocher, et puis ça y est. Il faut respecter des standards minimaux. Pour pouvoir assurer la dignité humaine. La révolution haïtienne a eu lieu en 1804, mais ensuite, Haïti a été pénalisé pour cela. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de mettre vraiment l'humanité au centre, au cœur. On ne nous demande pas de nous mêler de la politique d'Haïti. C'est toute une série de questions qui se posent, économiques aussi. Merci, Marc. J'aimerais bien redonner la parole à Bumba maintenant pour le mot de clôture. Après avoir écouté aussi ce que disait la collègue allemande, est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'elle vient de dire? Je suis totalement d'accord avec les propos de Kadja sur le chemin pour appuyer des alternatives en Haïti. La souveraineté alimentaire, c'est un chemin stratégique, dans le sens que ça peut mettre aussi de retrouver les rapports à l'environnement et d'assurer à manger à quelqu'un, de créer des emplois pour sortir de l'indignité. Je pense que c'est quelque chose d'assez important. Il y a d'autres points. Si on veut vraiment appuyer des alternatives, et comment faire du plaidoyer avec les gouvernements occidentaux qui traite Haïti comme la petite colonie des Caraïbes. Il faut, par exemple, il faut commencer à mettre en place des mécanismes pour auditer, par exemple, la coopération internationale, pour savoir le montant d'argent qui a été dépensé au nom d'Haïti, où va cet argent, et essayer de mettre ces informations aux mains des Haïtiens comme un pouvoir pour interagir, pour être un interlocuteur valable dans ce qui se passe, dans la vie des Haïtiens. Je pense que, pour moi, et comme la question de l'humanité, ça, c'est une question qu'il faut mettre au centre
de la recherche des alternatives. Je veux dire, ce n'est pas notre humanité brisée, fragmentée entre blanc, noir, ou entre européens, ou américains, entre africains et caraïbiens. C'est comment est-ce que cette humanité évolue différemment et diversement, mais cette humanité peut s'enrichir en prenant des engagements dans chacun de nos pays, à l'intérieur de nos frontières, pour qu'on ait un mode vraiment axé sur la solidarité, non pas la solidarité comme cette solidarité bourgeoise qui aide à survivre dans le mal, mais sans s'autodéterminer, sans prendre son destin en main. Donc, je pense que ça a été une très bonne occasion, cette discussion. Hein. C'est tellement intéressant, cette discussion. Ça nous a permis de parler un peu d'Haïti. Il faut qu'on en parle après qu'on ait vraiment des corottes comme des Polonais qui étaient des Africains pour combattre les Français pour la libération et l'émancipation. Merci, MP. Thank you so much, Bumba, for also reminding everyone. Merci beaucoup, Bumba, pour ce rappel à nous tous, hein, et pour ce qui compte, ce rappel de ce qui compte. On voit ce que ça donne si on ne met pas l'humanité au centre. Hein. Je vous remercie tous les trois. Tout d'abord, Nixon Bumba, Marc Schuller à Chicago, et puis Katia Maurer à Francfort. Merci à vous. C'était un grand plaisir de discuter avec vous. J'espère que nous pourrons peut-être prolonger encore ce débat un jour via Internet ou sur place après la pandémie. Ce sera un plaisir de vous revoir en réel. Voilà, et sur ce, je voudrais déjà annoncer la prochaine session. D'ailleurs, ça me rappelle des souvenirs personnels. Lesbos, l'île de Lesbos, j'ai fait un voyage là-bas. Ce n'était pas par hasard qu'on a choisi ces deux îles pour cette première session, les deux îles de Lesbos et d'Haïti. Dans une situation très difficile. Depuis les années 90 en Haïti, après le coup d'État, il y a eu beaucoup de réfugiés aussi, beaucoup de personnes qui ont quitté Haïti, qui ont été arrêtées dans les eaux internationales pour être transportées à Cuba, pour finir dans des camps, dans des situations ou des conditions vraiment insalubres. Donc les deux exemples démontrent qu'il y a des structures communes de réorientation de flux migratoires. Ce que nous vivons actuellement, je veux dire, ce n'est pas nécessairement nouveau. Ce sont peut-être les instruments ou les détails qui changent, mais les structures ne sont pas nouvelles. Le but devra être pour nous tous d'en tirer les bonnes leçons pour façonner notre avenir, en nous écoutant d'abord les uns les autres. Encore une fois, merci beaucoup. Ce sera un plaisir d'assister à cette conférence pendant ces deux prochains jours et demi. Et ce sera un plaisir aussi d'écouter la prochaine discussion après la pause.